Salut à tous et à toutes, bienvenue, on se retrouve dans l'épisode 16 de Code Vein. Et j'ai déjà oublié où est-ce que je devais aller. Pourtant la fin de l'épisode c'était il y a 4 secondes. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Attends, si, il faut que je prenne un truc qui me permette de descendre. Ouais, c'est là. Non, si, c'est bon. C'est bon, on a retrouvé. Et merde. Dégage. Ouais. On va aller faire un tour à la pousse. Pousse qui est par là. Pousse qui est par là. Ça serait bien d'en trouver une autre dans tout ce merdier. Ça serait vraiment, vraiment pratique. Acquérir les dons, etc. Alors moi, je suis repassé en veilleur. Repère butin, découvre si réservé à proximité, on s'en fout. Réduit l'endurance consommée par la garde en état de concentration. C'est un passif. Oh, ça peut être sympa, allez. Maîtrise maximale. Ouais, je peux. Hop là. Ce qui serait intéressant, ce serait de voir les autres passifs, en fait, des... Et tu entièrement, restaure entièrement l'endurance à chaque parade. Oh, mais je les réussis pas. Augmente la force et dextérité. Ouais. Masse de quoi? Non, j'ai pas assez pour gagner un niveau. Ok, bah là on va pouvoir équiper notre nouveau passif. Tac. Ok, bon, go. Ok. Bon, on va pouvoir tester notre nouveau style de combat. Ok. D'accord, ça marche mes couilles. Tu peux arrêter de prévoir où je vais t'attaquer, s'il te plaît? Yes, un pur plaisir ce jeu. J'aime vraiment y jouer. Ah, tu m'as même pas sauvé! Ah bah merci Mia! C'est un plaisir de t'avoir dans l'équipe. Je regrette lui. Ta gueule. Cordialement. Alors. Voilà. Je vais mettre ça sur le X. Ça, ça va aller en bas. Moi je veux le feu en l'air. Et. Non, déplacement spectral, je le veux sur le B. Et ouais, ça, là c'est quoi, c'est poison. Ça, bah ça je suis obligé de le garder parce que pour l'instant j'ai rien d'autre. Et en vrai, je vais mettre le poison haut. Ça me fait haut, poison, bas, feu, gauche l'attaque et B le dash. Ok. Je vois pas la différence. Ça me met mobilité rapide pour l'épée là, mais je vois vraiment pas la différence, c'est trop bizarre. Putain, putain. C'est quoi ces enchaînements à 80 000 points de dégâts là? Eh bah yes! J'étais invisible au fait, hein, by the way, mais c'est pas grave. Je suis en train de remettre en cause beaucoup de choses là. Alors, putain, du coup, je sais plus du tout où je veux aller. On va essayer par là. Hein. Ok, donc là. Là, c'est de la merde. Faut surtout pas qu'on retombe là où il y a le random Blitzkrieg. Oh bah yes, évidemment, j'arrive, j'ai plus de trucs.
Mais quoi? Non, elle est lent du cul, elle est lent du cul, c'était bien, je suis désolé. Ok, j'aime pas. Bon, l'épée, c'est de la merde. Pourtant, c'est une plus 3, hein, mais... Mais Non, c'est de la merde. Du coup, putain... Faudrait que je repasse sur... Poids de l'arme, il changera pas. Ah, nickel, on attaque et elle passera à 0, quoi, quasiment. Ouais, pour moi, il y a pas, en fait, il y a pas, en fait, la différence, c'est pas, je vais repasser avec Prométhée, parce que la différence, c'est pas, elle est insignifiante, la différence. La différence de vitesse entre les deux, elle est insignifiante, c'est nul. En fait, il faut que j'apprenne sur les timings. Ouais, elle pue la merde cette parade. Elle pue la merde cette parade. Genre vraiment, pue la daube, mais une puissance. Je sais pas pourquoi. À une époque, j'avais la queue. Là, j'ai cette daube. Ah oui, c'est ce que je me suis dit en lançant le jeu, oui. Et ben yes. Ok, y'a aucun moyen de passer. J'ai pas envie de tester, hein. On serait dans un jeu où je serais capable de sauter, je l'aurais fait. Mais étant incapable du moindre petit saut, on va éviter. T'as un vrai labyrinthe cet enfer. Putain, et le moindre ennemi est... Pouf, t'as fait quoi? J'aime bien avoir leurs attaques, moi, c'est... Faudra qu'on demande à Mia si on peut boire son sang. Parce que je veux bien son code sanguin, du coup. Je veux bien son code sanguin. Si c'est un code sanguin full à l'arbalète, moi, ça m'intéresse beaucoup. L'arbalète. À l'alba... à la baïonnette. Ah, et là on est revenu au milieu. Il y a accès à quelque chose dans son truc? Non, bah alors on y va pas. Et là, c'est là qu'il y a le cul-de-sac ou pas? Ouais, bingo, putain. Donc alors, attends. Je venais d'où avec celui-là? Je venais de la gauche, donc il faut forcément que je trouve un truc sur la droite. Ouais, mais quoi? Putain, le fait qu'on ait pas de carte, c'est très très chiant ça aussi. On va passer avec la baïonnette. Oula. T'attaques quoi? T'as attaqué quoi? Ok. Donc Mia est victime de délire schizophrène. Donc là, ouais, là c'est vraiment fermé de chez fermé. Là on a... Bah je vais où? Je vais où? Attends, si là je peux pas. Moi je vais où? Mais qu'est-ce que... Par là.
y a rien. Là, là, en dessous, il y a rien. On va aller faire un tour à la pousse. Donc à gauche, c'est sûr à 100%. À gauche, c'est sûr à 100%. On peut pas y aller. Non, je vais regarder s'il n'y a pas un don, genre un passif. Un état de concentration, je sais même pas ce que c'est l'état de concentration. Élan ténébreux augmente les effets des dons de ténèbres. Mais genre l'état de concentration, je ne sais toujours pas ce que c'est. Augmente la stabilité. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Hermès. Alors moi je veux que les passifs là. Augmente la résistance étourdissement, je m'en fous. Ok, ça sert à rien. Ouais, ça me sert à rien tout ça. Ah, ok. Non, attends. Le moment de la quantité de nuit obtenue en venant à bout d'un ennemi, non. Il y a des chances d'empoisonnement. Réduit le coût en corps et corps des âmes en état de concentration, augmente la dextérité. Porter une épée et une main. Oh, ça coûte tellement cher pour rien. Bonus de poison. Ouais. On va passer level 33 plutôt. Bon allez, on retourne dans cet enfer. Donc à gauche, on sait que c'est mort. À gauche, on sait que c'est... Oh ta race. On va essayer de le gérer bien lui. Ok. Donc je viens de perdre 600 dégâts sur une daube. Ok. Donc à gauche, non. On fait quoi? On va essayer à droite ou au milieu? On va essayer au milieu. Alors on va voir. Milieu, on va prendre à gauche. Donc à gauche. Donc là, là c'est le cul-de-sac. En face c'est le mob, donc là c'est encore un cul-de-sac. Donc du coup, sans revenir au centre, notre seul choix c'est de passer par là. Or, là il y a un trou qui nous permet pas d'accéder à un endroit. Idem pour là. Idem pour là. Ensuite. Par là-bas, c'est là où il y a le raid Pokémon Go là. Ah et par là on n'est jamais allé. Ah putain, par là on était jamais allé. Oh la dèche. Du coup on peut aller à gauche là. Et on va pouvoir abattre l'autre con en face. Oh là. Du fromage. J'ai trouvé du fromage. Fromage odorant, on a trouvé du camembert. Parfait. Du coup, on continue par là. Oh putain. Oh putain, c'est chiant. Ah, pardon. Mais moi aussi je veux faire ça!
Hein? C'est moi, il a un. Il a un cœur rouge sur sa tête, non? Ah, et là? Non, non, ça saute pas là. Là, ça passe pas là. Non, mais l'agencement de la zone, il a été fait au pif. Ok. Merde. Ok. T'es prête? What the fuck? Non mais là c'est plus de la là c'est plus de l'adaptation ou de la réaction, c'est de la prémonition qu'elle nous a fait là. Oh la vache! Oh là là. Ok. Oh putain. Ah faut pas tomber hein. On va aller par là. Oh, je vais m'en mettre un petit coup de régène parce que je sens le. Je sens le one shot arriver d'un moment à l'autre. Ok, c'est le seul mob de la zone. D'accord, donc j'ai paré. J'ai encore. Là, je vois. Ouais, bah je pars. Hein. Elle marche super bien la parade. Hein. Ouais, pas de soucis. D'accord, donc tu pars dans un sens et tu m'attaques dans l'autre. Yes, y'a aucun souci. Ouais, mais j'ai pas des masses le choix en fait. Ouais. D'accord, bah écoute. La réponse se trouve en bas. Ah, c'est de l'arène, ouais. Et on atterrit où du coup? Oh non. J'en ai marre de ces mobs. Je l'ai raté. Mais lui me touche, y'a pas de soucis. Ah, j'ai plus d'énergie. Quoi, non, il y en a deux. Oh non, c'est mort. D'accord. Ok, non, mais pas de soucis. Ouais, bah bien, 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 bien. D'accord, ok, je peux te battre en fait ou pas? Non, derrière toi, abruti. 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 Abruti de con. D'accord. Non mais ils sont invincibles. C'est trop chiant parce que je fais exactement la même chose qu'eux. C'est-à-dire, ils se téléportent, ils me tapent, sauf que je les touche pas. D'accord, j'ai fait B avant. Et putain, l'autre connard là, il pouvait pas aller chercher l'ennemi derrière lui. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Je préférerais affronter un boss, quoi, c'est terrible. Tiens, meurs. Attends, où sont mes stats de parade là? Défense 90. Il y a des armes qui passent, qui partent plus que d'autres, j'imagine. Ah, pourquoi il n'y a pas les stats de défense? Attends, quoi? Défense? Ah non, elles sont ultra faibles les stats de défense. Non, mais oh, d'accord, donc mon arme c'est celle qui défend le mieux. Alors, non. Non, non, non et renom. Il y avait un mob, je me suis fait démonter le cul. Non, c'est pas par là. Par là, c'est un cul-de-sac.
ça va être long. Elle va être longue cette zone. Attends, je vais vérifier un truc. Juste avant, je vais vérifier un truc. Non, ouais, non. Donc, pour une raison qui m'est bien obscure, je suis passé de la queue à ça, et je peux pas m'en débarrasser. Le mec a frappé devant lui, j'ai fait une roulade sur le côté derrière lui, et il m'a touché quand même derrière lui. Non. Genre, juste non. Ça n'est pas possible. C'est quoi cette démarche? Ouais. Je pense que je vais te prendre ton code sanguin. Non, parce qu'il est ultra bien en fait. J'ai envie de me barrer. Ah putain. Premier épisode que je tourne, j'étais enthousiaste, hein, mais... Ouais, d'accord, en plus, c'est... Oh là 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 là. Mes couilles sur un plateau. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je n'ai aucune idée de comment j'ai fait ça. Pourtant, j'aimerais beaucoup savoir comment j'ai réussi une telle attaque. Aucune idée. Tiens, dis-moi, tu veux pas venir? Non, parce que alors, je sais que t'es là en fait, mais. Vas-y, attaque-nous dans le dos. Alors, Ouais, c'était par là-bas, mais... Mais je veux ton attaque. Je veux ton stuff. Je veux ton matos. Je veux tout. Je te veux. Donne-moi tout. Aïe 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 aïe. Non, là on est déjà passé. Hein, moi je trouve cet endroit de plus en plus énervant. On était allé à droite, on était. Oui, on était forcément allé à droite. Y'a la connasse. Ouais, vas-y, c'est bien. Ça c'est un combo qui ferait qu'on réussisse à tenir, quoi. Elle tire, ça la déstabilise, ensuite moi je la frappe, etc., etc., etc. Mais je suis un connard de putain de chienne de merde! Mais regarde où tu mets les pieds, bouffon! Allez, on pousse un peu plus. On pousse un peu plus parce que ça me gonfle. Ouais, je vais démonter sa race. Tu pourrais faire au moins semblant d'être affecté, tu sais. D'accord. Donc en fait, il me prend littéralement toute mon énergie
Pour faire une parade. Ouais, vas-y, vas-y. J'avais pas un truc comme ça. Mais connard! Et qui pleut! J'en ai marre. J'en ai marre! Je craque! Je craque, je craque! Oh putain. Putain de bordel de newf. Toi là-bas. Meurs. Commence à me saouler. Ah, en plus je veux courir plus vite. En plus, je sais plus où j'ai vu ça, mais... Quoi? Je viens de trouver le bouton sprint! J'en ai marre. Je viens de trouver le putain de bouton de sprint. Je me déteste. Franchement, je me déteste. Tu m'as enlevé combien de PV là? 1 milliard? Ok, un pur plaisir. Je suis trop lent, je peux me faire tuer. Bon. Alors du coup, attends. Attention, piège à abruti ici. Putain, mais retourne chez ta mère, toi. Ouais, je vais claquer un deuxième. J'étais pas allé tout droit. Et j'ai pas envie d'aller par là. Quoique, il y avait un coffre. Il y avait un coffre, mais il y avait un demi-milliard de mobs. Allez, on va tenter de choper le coffre. Et on s'arrêtera là. Ok. Ok. Pfff. Tu peux arrêter de sauter comme un caribou, s'il te plaît. Ok, bon. En haut intéressant ici, mais le problème... Il faut en flinguer un avant le deuxième. Ok, c'est bon, suivant. D'accord. On s'en fout, on y continue. Vas-y, on y va bourrin. Ouais, moi aussi j'ai du mal à y croire. Transperceuse rubélite. Oh la vache. Fais-moi voir cette beauté. Oh, elle est assortie en plus, c'est parfait. C'est un fusil à pompe? Non, c'est pas un fusil à pompe. Oh, c'est trop bien. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouvera avec la rubélite. C'est quoi? C'est la transperceuse rubélite plus 4 dans le prochain épisode de Code Vein. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye bye!